et plop, la VOD. Donc pour vous, ça sera théoriquement qu'une semaine que j'ai sorti le dernier épisode. Attendez, je vais peut-être baisser un peu le son du jeu. Ça fera sûrement qu'une semaine du coup que c'est la dernière VOD est sortie. Mais pour moi, ça fait plus d'un mois. Parce que je n'y ai pas joué depuis le début du confinement. Et qu'aujourd'hui, on est le 26 avril. Donc ça fait plus d'un mois que j'y ai pas joué, normalement. Voilà. Donc j'espère pas avoir tout oublié. Apparemment, je suis bien avancé vu ce que je vois en stuff. Puis voilà. J'ai un petit peu regardé, je sais à peu près le dernier épisode, donc je sais à peu près où on en était. Mais à peu près quoi. Alors, on en était bien là. Je venais de faire toute cette zone verte. Et c'est tout ce que je sais. Ça commence mal. Je peux aller là en bas à gauche, je peux aller... Où est-ce que je peux aller? Je peux aller là en haut à gauche. Je pense que j'ai pas fait la grosse zone là. Puis voilà. Hein. On va commencer. Donc ça j'ai fait. C'est ici que je les ai rencontrés la première fois. Ici j'ai pas pu y aller, ok. Je me souviens vraiment plus de rien, punaise. Ça c'est pas bon, avoir arrêté un. Ah, je vais monter d'accord, du coup. Je vais monter voir là, cette zone verte claire. Arrêter un. Metroidvania, voilà, chercher le mot. Pendant si longtemps, c'est pas une bonne idée. En haut, on est dit. Oula. On est vénal, on prend quelques sous. Alors... On passe par là, il me semble que ouais, c'était une zone fermée, mais du coup... Ça nous avait tout révélé, ouais. Ah, une grosse boule qui pique. Alors... Normalement, j'étais sorti de là. On va vérifier ça, mais normalement... C'est ce que j'avais fait en dernier, oui. Ouais, il était là-haut pour nous parler. Ah, peut-être qu'on peut pas monter là. Comme ça, je referme les options. On n'a pas l'air. Ah oui, d'ailleurs, les touches. Donc RB, ça tire, je suppose. Non, ça change. Présence déplacée, missile, arbre de souvenir, vaporisation logique. Ça, c'est un truc qui rebondit. Et présence déplacée. Ça, c'est pour justement s'envoyer, d'accord. On va regarder ça. Et LT. LT c'était quoi? C'était tiré? Non. C'était le bouclier. Ok, B c'était la potion. J'ai commencé... comment il s'appelle déjà? Blasphemous aussi. Hors stream mais en même temps qu'un barbu. Du coup, les touches ça va être bizarre. Pierre imminente. Oh, elle apparaissait d'ici. Oh, le préservant. Oh, bien le bonjour. Tu m'as trouvé, à ce que je vois. Ton incertitude est un danger dans un tel environnement. Notre périple devrait être difficile, mais jamais injuste. Pourtant, il arrive que le sel soit injuste. Tu ne crois pas?
un conseil, tu ferais mieux d'abandonner. C'est le persévérant qui nous dit qu'il comprend mieux d'abandonner. Bon, très bien, je te mets au défi d'envahir ma forteresse, Dandara. Entre, hisse ton drapeau et ressors. Ce n'est qu'alors que je te considérerai comme un chevalier. Assez discuté, file. Oui, donc si je leur avais donné une voix spécifique à chacun, évidemment, je ne m'en souviens plus. Ok, donc apparemment, pour le moment, on est safe ici, dans ce couloir-là. On est arrivé par en haut au milieu. Le drapeau hissé est en bas à droite. Donc, on va devoir aller à gauche, faire tout ça. Mais... Ok. Alors là aussi, il y a une balle qui descend, ouais. Oula. Voilà. Ah oui, Y, c'est pour me redonner du mana, LT1. Et c'était genre... Ça... Non. Je ne sais plus. Bref, là... Je suis dans l'enclave au milieu à droite. Attends. Ah, ça touche ici. Alors. Voilà, c'est cette gâchette. Parce qu'il me reste une potion. Oh putain. Non mais là... C'est beaucoup plus à cause du... Je connais pas mes touches. Je connais plus mes touches. Que d'autres choses que je suis en train de perdre des PV. Je peux pas descendre plus bas. Ouais, non, mais je peux pas passer par là, du coup. Je peux passer par nulle part, faut que je repasse par en haut. Okay. Ok, là, c'est bon. Là, normalement, je me fais pas taper, j'espère. Le truc c'est que je vois pas. Enfin, je peux tirer dans le vide quoi, comme ce que je suis en train de faire, mais. Punaise, on pouvait aller ici. Oula. Du sel. Ok. Ah mince. Alors ça c'était comme prévu jusqu'à ce la que j'avais totalement pas prévu.
Ah bon, j'ai eu moins de potions que prévu. Oh. Parce que... je les ai utilisées pour rien. Monte par en... Oh punaise. Et là j'avais moins de potions que prévu parce que je me suicide. Là. Oh regarde un peu ça. Aucun drapeau ne bat au vent dans ma forteresse. Suis mon conseil, n'insiste pas. Ce prétentieux. Il est au courant de quand on meurt en plus. C'est là que je suis mort? C'est pas possible, je suis pas mort là. C'est le milieu de la pièce. Attendez. Je suis pas mort ici, je suis mort là. Je sais pas si c'était bien d'aller là. Ah, ou peut-être qu'il fallait que j'aille là pour me mettre là et remonter. Mais remonter, ça me sert à aller à cette pièce et peut-être... Donc je vais refaire mon chemin, qui est ça. Hop, là. Là c'est là où il y a les pics. Et quand je vais aller ici... Enfin, je vais bien revérifier, mais je crois qu'ici on pouvait pas, on pouvait rien faire. Mais quand je vais aller ici, au lieu d'aller là, je vais retourner ici, voir si on peut monter, s'il y a des trucs utiles. Parce que là par exemple, on peut rien faire. Hop là. Oh punaise, c'était pas le même rythme à gauche à droite. Donc là justement je suis à peu près à l'endroit où il m'indique. Là on peut pas y aller. Et là on peut y aller. Ok. Donc là on peut passer, mais j'ai pas récupéré mon âme salée. Super. Punaise. Ok. Non, ici, voilà. Pas monter, ok. Mais là je suis... Ah là je peux aller à gauche, ok. Prochain cave qui passe. Ouh,
de juste. Bon, du coup, je suis pas allé par en haut, mais je vais aller par là. Enfin, allez. Ça m'a l'air d'être un bien grand mot. Ok, les deux sont reliés. On est du côté. Super. Ok, on est du côté où ça passe pas. Je vais prendre une potion. De mana. À gauche du coup. Punaise. Potion de vie. Mais je peux pas aller là, y'a rien. Désolé. On vient de prendre celui qui est le plus en bas à gauche, là, le téléporteur vert, accélérateur vert. Oh, il y a une lune, un croissant de lune, avec une fontaine. Non. D'abord, on visite. Ok, donc là... Avec ça, on doit pouvoir revenir au début. Mais c'est pas ce que j'ai envie tout de suite. Je voulais me mettre à un endroit safe et me soigner parce que je voyais les boules arriver derrière là du gars en haut et j'ai pas fait gaffe où j'atterrissais. Indique dans quelle pièce on a eu notre... Notre mort, mais pas à quel endroit de la pièce. En fait, j'avais pas l'impression que c'était dans les requirements pour être considéré comme un Metroidvania qu'il fallait absolument ne pas bien indiquer où on est sur la carte. Donc là... Non, c'est là en bas que...
Ah, ok. C'est mieux. Ça avait l'air d'être un raccourci au final de passer de l'autre côté. Ok. Tant pis. De toute façon, la deuxième fois, j'étais obligé pour récupérer mes sous. Mon sel. Et là, on est arrivé en haut. Ok, je crois que j'ai grugé. J'aurais dû faire ce chemin dans l'autre sens. Et là, quand j'étais là et que j'ai réussi à prendre ce téléporteur, j'ai eu de la chance en fait. Enfin, j'ai eu de la chance, c'était à moitié prévu, je pense, l'espacement, tout ça, mais l'objectif, c'était d'arriver, faire le tour par en haut, après passer par là. Ah, mais j'aurais loupé toute cette partie-là. J'en sais rien. Non, 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 on attend la prochaine bouboule. On se soigne un peu. Voilà, ici, là, en fait, je pense que j'aurais pas dû passer par là, mais faire le tour comme je viens de le faire. C'est 3 tiers, rien. À part ces deux-là. Rien de très dérangeant. Potion. Ils me font rien et là ils ont fait une tuée. Est-ce que j'en avais besoin de passer par là? Sûrement. Oui. J'ai vu des ennemis, j'ai pas réfléchi, hein. J'ai fait sous. J'ai tapé. Mais j'ai même pas eu besoin d'être trop persévérant, juste deux fois. Plutôt impressionnant, je dois l'avouer. Considère-toi comme adoubé par le persévérant. Ça te permettra peut-être de moins douter de toi. En fin de compte, le juge le plus sévère est celui que l'on a tous à l'intérieur. Mais les compliments d'un maître escrimeur suffisent-ils à faire taire ce juge? Seul le temps nous le dira. Tu sais où me trouver, je suppose. Bah, pas ici, du coup. Voilà. Facile. Par contre, faut que je retourne au camp. Parce que j'ai pas du tout envie. De devoir refaire tout ça si jamais je meurs. Non, ça s'ouvre pas. Ok. Ah non, c'est toutes les trois. Où que je dois aller? En dessous, oui. J'irai à gauche après si je peux. Le drapeau ici, souvenir. Oui, c'est tout ça. Ça on a vu, on compte l'effet de l'essence. Ok. Ok. Ça
Ça c'est les potions, ça c'est la carte. De toute façon on n'a rien gagné là. Donc, ça c'est quoi? Ok. Ah oui, c'est ça, tire. Je me souviens. Ok. Et dans Nara, j'ai 4300, il faut 4500. J'ai envie de dire les PV au max. Hein. Mana, j'en ai largement suffisamment, je crois. Donc, là, je pense qu'il faut aller ici, quoi. Bah, surtout qu'il y a la couronne, donc... j'en ai l'impression. Ouais, j'en ai fait que deux. Je vais essayer d'aller par la gauche, parce que je sais pas s'il faut aller par en haut ou par en bas, et puis ça... Voir, je me demande si j'irai pas aller voir là où ils étaient tous les trois au début. Ouais, je vais voir là où ils étaient tous les trois. Si j'ai pas re des infos... Punaise. Là, on voit bien qu'on en a deux et il manque la couronne. C'est une info... claire. Je sais pas si elle est suffisante, mais au moins elle est claire. Alors là, tout à gauche, on peut aller lui dire bonjour. En plus, il y a un peu d'histoire là-haut que vous avez peut-être déjà eu. Une gravure représente un oiseau qui chante à tue-tête. Les notes de musique semblent avoir été dessinées précipitamment ou sous le coup de la colère. Oh putain. Ça me dit quelque chose, ce petit texte. Alors, oui. On est là? Ah oui, je viens de faire tout le zigzag, donc là je vais à gauche et potentiellement en bas si je peux. Ça me rapporte des sous? Non. Donc ils sont peut-être infinis. Et c'est pas très utile de rester. Ok, donc là j'étais monté. Monté, on connaît théoriquement. Est-ce que je peux aller à gauche? Je peux y aller. Je pouvais pas y aller parce que j'avais pas sa couronne avant. Mais du coup... Oh, sale venteuse. Ok. J'ai fait oh, parce que ça a changé la caméra de sens. Ah d'accord. C'est bien, c'est bien. On trouve des vrais passages sans issue avant d'y aller. Oui, c'est bien là-haut et après à gauche. Si on peut. Ah! Ok, ça, ça a l'air d'être la sortie.
Non, c'est là, je crois. Oui. Maintenant, on est enfermé. Le donjon du privilège. Quoi ? Il me fait pas son discours, lui ? Putain, je suis con. Au secours ! Ouais, je peux pas monter, donc c'est bien par là. De quoi ? C'est pas grave. Alors, tac tac. Ouais, super. Ah. Bouh ! Absolument terrifiant, n'est-ce pas ? Enfin, j'en ai aucun besoin qu'on me le confirme, voyons. Tu n'espères pas obtenir mon approbation, si ? Le noble. Pff, tu as vraiment tout d'une piquenaude obstinée. Mais j'aime à faire preuve de clémence. Du moins, je me rappelle l'avoir fait une fois. Je vais te donner un indice. Si tu mettais mon château sans dessus-dessous, ma seigneurie ne serait qu'à moitié satisfaite. Mon approbation se trouve derrière cette porte. Voilà qui devrait perturber ta petite cervelle véreuse. En attendant, goûte un peu ça. Adieu, au plaisir de ne jamais te revoir. Moi. Ok. Donc c'est bien ça, le truc au milieu, c'est bien là où il faut sortir. Il est à 2 à l'heure. J'ai pas fait gaffe à ma vie, j'ai pas fait gaffe à ma vie. Ça m'a enlevé 2 PV, puis 2 PV. Non, puis 1, suffisant. Du coup, là, autant aller tout de suite à gauche, oui. Je me souviens pas ça. Il y a un papier froissé sous la pierre. Il semble pétrifié, comme s'il avait été oublié par le temps lui-même. On y lit. Cet homme au masque d'or, c'est un imposteur. Cette plainte doit être entendue. Je doute qu'il ait réussi les défis des maîtres, mais il a pourtant leur approbation. C'est un tricheur, aucun doute. Ok. Pas besoin de potion. Punaise. Ici il me prend un coup, c'est pas grave. Donc ici il y a un mur. Enfin, il y aura un mur. Un nouvel essai? Comme tu voudras. J'aurai davantage de sang. Moi. Je lui fais un peu. Aiguë sa voix, mince. Oh punaise, potion. Est-ce qu'on peut passer par en haut? Il n'y a pas de raison. Mais pourquoi il y a une porte ici? Quel rite l'alchimiste? Il y a un vieux parchemin qui porte une inscription peinte à la main. Les flammes renversées se sont soudain écriées. La fin se trouve là où la naissance était.
les gros pâtés de peinture n'ont pas l'air d'abîmer le papier. On peut pas passer. Ok, on peut pas passer. Donc au milieu, ça a l'air d'être intéressant, mais on peut pas y aller. Est-ce que sur la carte, je vois la différence? Ils ont l'air gris clair et gris foncé, punaise. Gris foncé, on peut passer. Gris clair, on peut pas. Mais c'est... C'est un peu trop... Mince. Oh punaise, hein, on s'en fout, on bourrine, on prend une potion à la fin. C'est un peu trop léger comme différence de teinte. Oh punaise, galerie de l'alchimiste, ok. Mais cette fois on est en haut et on devrait logiquement pouvoir arriver quelque part. Oula. Alors là je peux aller à gauche ou à droite. Là, c'est bloqué, bien évidemment. Là, je peux aller en bas. Je vais aller voir ici d'abord. Normalement, je suis bloqué dans une petite pièce. Voilà. Ouais. Ok. Donc, j'étais arrivé par cette petite porte tout à l'heure. Là, j'aimerais bien prendre ce coffre, mais on ne peut pas. Oh punaise, je sais pas trop comment je l'ai esquivé, lui. Chambre de repos seigneuriale. Ok, on peut pas passer par là. Pour le moment, là, on peut. Il y a un tableau qui représente une chauve-souris en vol. Il est accroché sans dessus-dessous. Touche pour changer de perspective. Oh mais non. Non. C'était dans le bon sens, maintenant c'est dans le mauvais par rapport à la carte. Ils m'ont fait m'habituer à un sens pour me mettre un autre juste après. Je sais même pas où je suis. Je suis tout en bas, donc je suis tout en haut normalement, c'est ça? Je crois. Mince. Tant pis. Potion. J'en ai encore 3, elles servent à ça. La pièce où j'ai pas réussi à aller. Tout ça pour rien, je crois, en plus. Quoique. Tac. Là, on est ici. Oui, maintenant, c'est les clairs qui sont. Ok. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis revenu là? Oui, parce que ici, ok. Donc là, j'ai fait tout ça et je suis revenu du coup dans cette pièce parce que ici, ça a changé de côté et du coup, ça sera fermé. Donc là, je vais pouvoir aller là. Et normalement, tout droit et c'est bon. Je pense que c'est tout. J'ai l'impression que c'était que ça. Oh punaise.
Oui, bah je bourrine, hein. Potion. Désolé. Voilà. Bien que ma seigneurie souffre de l'admettre, tu t'es, d'une certaine façon, bien débrouillé. Pas aussi bien que possible, bien sûr. Mais oui, tu as réussi. Tu as gagné une petite portion de ma précieuse approbation. Chéris-la à sa juste valeur. Ouais. Je serai à l'auditorium. Retrouve-moi là-bas quand tu seras prête. Eh ben, je suis prête. Et je pense que... attendez, je suis où là? Oui, je pense que je vais sauvegarder là. Ça fera une première vidéo plus courte que les autres. Mais en même temps, les autres étaient trop longues. Et je pense continuer du coup juste après. Donc, Dandara... vie, la vie brute. De toute façon, la potion, on les a déjà mis au max. Donc, la vie brute. Souvenir et le truc d'en bas, on ne sait pas ce que c'est. Quitter. J'en pause. Et du coup, je m'arrête là. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et je vous dis à très vite.